Mais moi, je peux-tu lire le poème? Ah, ben oui! On dirait que je vais le découvrir. Vous l'avez lu? Non, pas moi. Non. Ah non? Let's go, lis le poème. Oh wow, c'est 3 pages? 3 pages! Hein, on tabarnak! Mais ça rime, c'est extraordinaire! Hey, c'est notre public! J'adore! Ah non. C'est un poème érotique. C'est une erreur. C'est un gars, je pense, qui l'a écrit. Bonjour Thomas et Stéphanie. C'est nous autres, ça. Ça, c'est un verse, là, du poème. Attache-toi bien, là, ça va finir par rime en I, là. OK, bientôt. Ah là là là. OK. Moi, je l'aime, la personne qui écrit ça. Bonjour Thomas et Stéphanie. Laissez-moi vous conter l'histoire d'une date datant d'une décennie. Ah oh, ouais! Là, c'est bon! C'est bon, non? Qui n'a vu naître que désespoir. J'aime ça. Ça rime avec histoire. Okay. Ben oui. J'avais fraîchement 19 ans. Voyons, on crisse tout le monde à 19 ans, ce soir-là. J'avais fraîchement 19 ans, ivre de ma tendre jeunesse, trouvant le bonheur en expérimentant la dope, l'alcool et les fesses. Wow! Ben, le gars, il est tight, je vous l'ai dit, ben, le gars, il est tight! Pour vrai, à date, je le suce. Okay. Deux verres! Il était plus vieux que moi. Ah, oh, il est gay. Non. Mais c'est peut-être une femme. Non. Il était plus vieux. Ah non, non, pourquoi? Ben, je suis au courant qu'il a volé. Ah, okay, okay. Il était plus vieux c'est que moi. C'est mon père, OK. Ah! Ah! Je le sucerais pas, finalement. Mais pas ça. Il était plus vieux que moi, son âge... Quoi que tu veux vraiment me bousiller, suce mon père. Que... On en prend tous bonne note, merci. Hey, pis ça, c'est... Ah, Chris, le gag de ta carrière, ma fille. OK. Yo, je vais te donner serré, man. Sors les vidanges sont sorties, man. La vitesse du son, man. Il était plus vieux que moi. Son âge n'a pas vraiment d'importance. Ce compte me met dans tous mes états maintenant que j'y repense. J'aurais skippé celle-là, mettons. Ouf. Pas celle-là. Ça pogne une débarque. J'aurais été directement là, moi. Son trip. Non, c'est un bon trip, c'est un bon trip. Je serais jamais capable. T'es capable, t'es capable, t'es capable. T'es capable, prends ton... Prends le temps qu'il faut, prends le temps qu'il faut, prends le temps qu'il faut. On a du temps, on a du temps, il n'y a plus de couvre-feu. Prends ton temps. Bon, ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quoi son trip? Christine, c'est quoi son trip? Christine, c'est quoi son trip? C'est quoi? C'est quoi son trip? Le gars, il a un trip, c'est quoi? Je vais pisser. Son trip, c'était d'être un vampire. Yo, parce qu'un vampire, ça vient avec une cape. Ça vient avec une cape. Imagine baiser quelqu'un avec une cape. Il y a une cape et il te baise. Comment tu peux comme, t'amuser? OK, attends, j'en prends mon... OK, je suis... Tu me laisserais-tu te baiser avec une cape? Ouais. Yes! Mais peut-être pas les petites dames. C'est là où t'as... Je suis obligé d'avoir un accent en roumain. Là. Son trip, c'était d'être un vampire. Toujours tout de noir paré. Mais ce qui fait le plus sourire, c'était ses dents limées. Whatever floats your boat, comme disent les Anglais. Il vivait en bas de la côte, près de Papineau, il paraît. Je le rencontre à Frontenac. On marche ensemble, c'est bien charmant. Ses bottes à stud sur le trottoir claquent, puis je le trouve cute en sacrament. Il fait des tirades un peu racistes, puis il donne de la marde aux itinérants. Un vampire raciste! Un vampire raciste! Parce que moi, il y a 900 ans, tu sais, il a pas suivi, là. C'est quoi être un peu raciste? Il fait des tirades un peu racistes. Il fait des tirades un peu racistes, puis il donne de la marde aux itinérants. C'est les deux! En tout cas,
Les noirs, c'est pas du bon monde. Hey, travaille, Chris. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Ah, c'est que c'est pis t'es bon. Que ça va en pire. Imagine, tu es itinérant, ça va pas bien, tu sais. C'est pas bien un passe. Ça fait mal. T'as de la peine. Il y a un vampire qui te dit que t'es rien. Tu te dis, j'hallucine-tu, qu'est-ce qui se passe? Bon, il fait des tirades un peu racistes puis il donne de la marde aux itinérants. Cupidon est un tireur d'élite qui fait oublier le mauvais temps. Wow! Rendu chez lui, tout excité, on monte à... Rendu chez lui, tout excité, on monte à sa chambre en vitesse. C'est décoré comme un cachot, un peu cliché, mais je m'en foutais de sa forteresse. Wow! Imagine que c'est Seb qui a écrit ça. Impossible. Avant toi, ouais, c'est ça le personnage. Ma vie était à Capella. Bon, il me fait regarder Underworld. Ah, mon Dieu. Il me fait regarder Underworld, puis genre juste de vampires. Manquerait juste qu'il me morde. Maintenant, je peux juste en rire. Saviez-vous que ça fait mal en hostie des gros limés qui prennent une bouchée? Wow. Ça m'excite moyen, mais je gémis. Dans ses pantalons de cuir, je le sens bien bandé. Avant même que je le suce, je pogne un estime mal de cœur. L'encens, c'est un puissant stimulus qui vient de calmer tes ardeurs. S'il vivait pas au Dracolite... C'est quoi ça? C'est pour rimer, j'imagine. Je pense que c'est le nom qu'il a donné à l'appartement. OK. C'est un magasin? Un magasin de vampires. Okay. T'es extraordinaire, merci d'être merci, là. Vraiment. Je veux juste souligner que cette dame, elle connaît le Dracolite, puis elle applaudit quand t'as demandé qui c'est que Joe braillé pour ouais. L'orgasme. T'es la meilleure fan, t'es extraordinaire. J'adore. MVP du MVP de mon existence. Ah! Bon, fait que... Nice s'il... job, Guy, man. Nice job, Guy! Yo, let's go, meilleur date, man! Meilleur, parce que c'est un de nos amis, puis il y a une date. Yo, meilleur date! Yo, let's go! Ah, il est complètement gêné, laisse-les vivre. Bon. Bon. Il est comme un tailleur. Ben oui, c'est ça, là. Un pire gars. Hein? Ouais, ça passe. Mais déjà, en même temps, c'était ta mec Thomas, tu sais. Je veux dire, non, mais il n'y a pas rien que... Je veux dire, faut que tu sois prêt à tout, là. Ah, OK, je compte. Oh, oh, ben, oh, je suis d'accord. Ben oui, mais moi, je suis prêt à tout, mon amour? Ah oui, je suis prêt ben, à oui, tout. Ben oui, tout le monde assume ça. Bon, s'il ne vivait pas au Dracolite, le magasin ouais. De vampires, ouais. Je me serais peut-être assis sur sa queue. Oh. C'est bien, gommet! Mais je pensais à ses calls suprémacistes pendant qu'il me jouait dans les cheveux. Je lui dis que je suis pas capable de me concentrer, faut que je sorte, j'ai besoin d'air. En bon incel, il s'est fâché et m'a pété une crise de nerfs. Wow! Je rentre chez nous à pied, j'ai assez mal au cou. Anne Rice peut bien aller se crosser. Mon Lesta, c'est un vrai ripou. Mon Lestat. Lestat? Lestat. Lestat. Ouais. Lesta? Lestat? Lestat. Tu dis comme dans un entretien avec un. Ouais, c'est ça. Mon Lestat, c'est un vrai ripou. Bon. On aurait pu skipper ça, là. Il non, m'écrit. Mais c'est... Non, mais c'est toi qui n'avais pas le référent, Christine. Ouais, non, mais. En même temps, je me suis jamais fait fourrer par un vampire. J'aurais vu le même, suprémaciste. Non, mais c'est ça. Oui, en plus. En plus. Un vampire white supremaciste. Imagine que t'es un vampire et tu t'inspirais aux autres. Ben, t'es immortel. Mais tu l'es pas pour vrai. C'est pas une vraie affaire, les vampires, mon amour. C'est juste du monde qui a des problèmes. À moi, tu es un vampire. Bref. Excusez. Il m'écrit des mois plus tard pour me donner un char de marde. Ayant appris que je dansais dans un bar, il me dit que je suis sale, quelle rigolade. Wow. Est-ce qu'il dansait attends, dans le bar? Il dansait dans le bar de From Dusk Till Dawn. Ah, avec un serpent tout merci nu. Pour la personne qui a compris. Ah, mais... C'est encore rien. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Mais ça, c'est une excellente scène, hein? Oui. Hey, Salma Hayek là-dedans, là. Oui, oui. Tac, est-ce que ça y va? Salma Hayek, dans, c'est juste elle, genre, qui choisit sa lessive, puis c'est excitant pareil, là. Salma Hayek dans le corps de sa propre vie. Oh, ouais. Ça a bien du sens. Salma Hayek qui... Oui, c'est vrai. Mais mieux vaut! C'est le mariage au dentiste, c'est quelque chose. On avait compris avec le dentiste, hein?
mais mieux vaut être un homme pute qu'un fasciste. Wow! Puis je voyais c'est un... C'est bien dit! Oui. Yo, on va dire ça maintenant. Quand je mieux vaut être un homme pute qu'un fasciste. Ouais. Puis je voyais un peu d'ironie qu'un vampire ségrégationniste haïsse autant les créatures de la nuit. Fin du poème. Ah, oh, il était noir! Ou pas? Mais c'est un beau poème, on est-tu d'accord avec ça? C'était extraordinaire. Non, c'est meilleur que Nelligan.